Le couronnement du roi Charles III aura lieu le 6 mai prochain, au sein de l'abbaye de Westminster. Et d'ores et déjà, les médias britanniques se demandent si le frère du souverain, le prince Andrew, aura le plaisir de se voir attribuer un rôle lors de la cérémonie. Samedi 11 février, nos confrères anglo-saxons du site Express ont indiqué que celui qui était considéré comme le fils préféré de la reine n'aura pas cette chance, puisqu'il n'a plus de fonction royale au sein de sa famille. Pour rappel, depuis les accusations d'agression sexuelle, dont il a fait l'objet en 2019, le prince Andrew a accepté d'abandonner son titre d'altesse royale. Cela implique notamment de ne plus être sur le devant de la scène lors de déplacements officiels. Et c'est la raison pour laquelle son frère aîné estime qu'il serait inapproprié de l'inclure pleinement lors de son couronnement, comme l'a rapporté le Mail on Sunday. Le rôle le plus important pendant l'événement pourrait donc être incarné par la princesse Anne, ou le prince William. En revanche, l'ex-mari de Sarah Ferguson pourrait occuper un rôle symbolique, même si aucune autre information n'a pour l'heure été dévoilée. Supérieur à Prince Andrew, retour sur son évolution physique. Un ancien duc qui espérerait obtenir le pardon de ses pairs en août dernier, un ami du prince Andrew faisait des confidences au Sun sur la manière dont le fils de la reine Elisabeth II vit sa mise à l'écart. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne semble pas prêt à s'y résigner totalement. C'est un homme de 62 ans et il sait qu'il ne peut pas passer le restant de ses jours assis au Royal Lodge à Windsor, à promener ses chiens et à monter à cheval, avait affirmé cette source proche de l'ancien duc d'York. Mais vraisemblablement, celui-ci ne pourra pas compter sur le roi Charles III pour l'aider à sortir de cette situation dans laquelle il s'est mis. En effet, en janvier dernier, le Sun révélait qu'il ne serait pas le bienvenu à Buckingham Palace, lors de ses séjours à Londres. De quoi le tenir encore un peu plus à distance des autres membres importants de la famille royale britannique. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, agence.